Nous sommes une famille traditionnelle et si nous sommes arrivés à ce niveau de qualité, c'est aussi grâce aux générations précédentes. Hein, et nous avons la chance d'hériter d'un domaine qui a toujours été à la pointe des innovations, qui a cherché en permanence à s'améliorer. Ça veut dire que l'objectif qualitatif est arrivé très précocement et pas seulement l'objectif de quantité. Looking for the purity of the wine, that's the main objective. I'm Nathalie Tolo, and the name of our domain is Domaine Tolobo. This parcel is Corton Charlemagne. It's Chardonnay, of course, because it's Corton Charlemagne, and Corton Charlemagne is always white. There's a legend, l'Empereur Charlemagne, his wife, who didn't want him to have stains on his beer. She wanted him to plant white wine instead of red wine in his parcels. So that's why we always have Chardonnay here. Well, the domain started around 1880. Our great-great-grandfather started to buy the first vineyards in Choret and in Beaune. His son, Alexandre Tolo, started to bottle himself. And his son, Paul, my grandfather, his four children decided to work all together. That's where the domain started to expand quite a lot. Well, the Choret-les-Beaunes is an appellation village. This appellation is quite a tiny one. There's only 140 hectares. There's no Premier Cru or Grand Cru, so it's an unknown appellation. We are very proud of having raised up the name Choret-les-Beaunes. Nous avons des micro-structures, des petites structures viticoles qui font un petit peu de la haute couture. Il y a toute une connaissance de l'environnement, des terroirs, toute une connaissance de l'histoire qui fait qu'on arrive à une certaine qualité. La chance de notre région, enfin de la Côte d'Or et de la Bourgogne en général, c'est tout son passé et sa spécificité qui fait qu'on a des vins uniques, enfin qui sont difficiles à comprendre au premier abord, mais qui sont passionnants. C'est un métier dont moi personnellement je ne me lasse pas, parce que c'est un métier très complexe, de la production à la vente, à la relation avec nos clients, en passant par tout le travail de la vigne, de la vinification. C'est très technique et en même temps très humain. Donc c'est très enrichissant.